9h, départ d'Ambierl, première balade post-confinement de près de 400 km. Nous partîmes avec 5 montures, d'abord une Harley Seveso Electra Glide, un ER5, un NC700, un Harley V-Rod et notre fidèle Guzzi. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Motor Action Road Adventure, c'est Team B, et notre périple commence enfin au pied de la chaîne des Puits. Terre des volcans d'Auvergne, paysage magique. Au passage, nous passons près de la ville thermale de Vichy, une ville chic et reposante. Enfin, notre périple nous mène aux premières petites routes ombragées, bien qu'il fasse encore frais. Certains décident de rester à l'ombre. Bref, nous sommes prévenus, nous sommes sous bonne garde. Nous continuons notre route, ma femme et moi déçus de laisser le soleil derrière nous au fur et à mesure que nous montons en altitude. Passant de nombreux cols, jusqu'à rejoindre enfin le col de la Croix Saint-Robert, lieu de départ de nombreuses randonnées, également accessoirement point de ralliement, de parapente et autres objets volants. Après cette petite pause, nous reprenons la route de l'autre côté du versant, où nous rencontrons d'autres passionnés de la route. Continuons donc en direction du lac Chambon afin de nous restaurer pour midi au gré d'un pique-nique sur la plage du lac. Lac que vous pouvez observer au pied des volcans au loin.
rejoint par le petit groupe de Harley-Davidson de Saint-Étienne, décidé d'effectuer un petit détour afin de ravitailler nos machines, nous prîmes la direction de Saint-Nectaire pour profiter des superbes routes alentour au milieu des paysages sauvages. Arrivé à Saint-Nectaire, très joli village à flanc de montagne, nous décidâmes de faire une petite halte pittoresque et gourmande. Saint-Nectaire, spécialiste du fromage du même nom, le Saint-Nectaire fermier. Après cette halte gourmande, c'est bien chargé de nos meules de fromage de 2 kg chacune que nous repartîmes sur nos fidèles destriers, à travers les routes du réseau secondaire de France. Encore de nombreux cols et autres passages que nous apprécions tant. Petit road trip touche à sa fin, retour au bercail afin de profiter d'une petite mousse bien méritée, tous ensemble à l'ombre d'une terrasse. Nous sommes épuisés, courbaturés, mais heureux de nous retrouver tous ensemble et de se sentir à nouveau libres. Au final, ce road trip nous aura pris la journée complète, dont plus de 6 heures sur la moto. La V85 n'a pas démérité d'un poil.
Un vrai train sur rail qui ne m'aura pas mis en défaut une seule fois. Un tapis de velours pour la passagère. Bref, c'est le bonheur cette moto. Il faut que tu likes, tu t'abonnes aussi, ça serait cool s'il te plaît. Et n'hésite pas à mettre des commentaires, hein.